va être le plus beau, le plus magnifique, le plus merveilleux de tous les Noëls que la famille a organisé ici. Qu'en pensez-vous? Bien sûr, mon dindon. Oh, je savais que vous seriez d'accord avec moi. Oh, très cher canard, dites-moi, que penseriez-vous de refaire entièrement la décoration, des sols au plafond, en passant par les murs? Bien sûr, mon dindon. Oh, vous me flattez. Bien sûr, mon dindon. J'ai une idée de décoration, mon doux canard des Canaries. Que penseriez-vous d'une décoration chargée mais subtile? Bien sûr, mon dindon. Nous sommes d'accord sur tout, c'est fabuleux. Bien sûr, mon dindon. Madame, monsieur, les documents concernant l'organisation de la soirée de réveillon sont actuellement dans la salle à manger et vous attendent. Ah, bah merveilleux. Merci. Allons-y, mon doux canard. Ça, c'est une bonne nouvelle. Merci, Jeanne. On arrive. J'ai tellement hâte. Oui. Attendez, ne bougez plus. Attendez, ma chère, je crois qu'il y a un problème. Je ne comprends pas. Les documents étaient sur la table il y a un instant. Ah bah oui, mais bon, c'est les documents d'organisation du repas de Noël, quoi. Ma chère Marie, venez voir. Oui, mon canard laqué, que se passe-t-il? Il y a un problème, ils ont perdu les documents de Noël. Les documents? Mais il faut absolument les retrouver, ce n'est pas possible. Non, mais calmez-vous, calmez-vous. On va vous aider à les rechercher, si vous voulez, mademoiselle Jeanne, hein, on y va. Oh oui, oui, allez. Nous allons vous aider. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je suis perplexe, René, voyez-vous. Parce que... Je pense qu'il faudrait revoir entièrement la déco de cette salle. Oui, non, mais là n'est pas du tout la question. On cherche les documents, Marie. On cherche. Allez, fureté, fureté. Pardon, oui, c'est vrai, d'où Jésus, j'avais oublié. Mais voyons, mais que faites-vous donc tous les trois? À quoi vous amusez-vous? Quel est donc ce capharnaüm que vous êtes en train de mettre? Martin, vous n'auriez pas vu les parchemins qui étaient sur la table par hasard? Ah, les 2-3 documents qui traînaient ici? Oui. Ah ben si, je les ai vus, bien entendu, c'est ça que vous cherchez, oui, oui. Eh bien, où sont-ils? Eh bien, ils sont là, voyons. Martin, vous n'avez pas fait ça. Écoutez, ma petite Jeanne, nous sommes en décembre, un petit feu, ça fait du bien pour se réchauffer. Martin, vous venez de ruiner la soirée du réveillon. Madame, monseigneur, je suis navrée, mais la soirée que vous attendiez tant vient de partir en confetti. Bah, ça, c'est quand même ballot. Oh, mais bon. Qu'allons-nous faire et nos invités? Ah bah, il peut pas y avoir de fête, hein. Va falloir aller prévenir tout le monde, Marie. Bah, venez avec nous, venez, on va aller prévenir. Je m'y résigne, je vous suis. C'est long. Oh, mais non, voyons, voyons. Tirons le temps à profit. Regardez, peut-être pouvons-nous jouer aux échecs. Je vais vous apprendre les échecs, regardez. Connaissez-vous cette pièce? C'est une tour. Mais non, voyons, mais non. Une tour, ça ressemble à une tour, hein, bien alors, entendu. N'essayez pas de m'avoir. Regardez, ça ressemble à une tour. La tour et le roi. Voilà, bien entendu. Oh, oh, attendez, regardez, je crois que Seigneur René arrive. Oh, c'est pas trop tôt. Adelbard, mon cher François, Dame Sylvaine, Eustache. Je suis au regret de vous annoncer, mes chers amis, que mon fils, Martin, a malencontreusement brûlé tous les documents de l'organisation du repas de Noël. Nous n'allons donc pas pouvoir faire de réveillon cette année. Je vais vous inviter à quitter cette pièce. Ah non, hein. C'est le pompon, hein. Et moi qui m'apprêtais à vous faire une magnifique sonate de Noël. Je crois que nous pouvons dire que c'est une catastrophe, mes amis, une catastrophe. Hélas, hélas, hélas. Je ne peux rien vous dire de plus, sinon que je suis désolée. Mais non, ma petite Jeanne, ce n'est pas de votre faute, voyons. C'est la faute de Monsieur Martin. Oh. C'est à cause de lui que la fête est fichue. Oh, voyons, vous ne savez pas qui je suis. Je suis Martin. Je reviens d'un long voyage au Cap Fréhel. Et j'avais donc forcément besoin de me reposer un petit peu et de me réchauffer les menottes devant un petit feu. Oh, François, c'est vrai que je suis extrêmement déçue. Voyez-vous, j'avais trouvé une perle rare, une robe que je comptais mettre pour me sublimer le soir de la réception. Oui, voilà, voilà. Maintenant, je pense que nous pouvons dire que nous sommes marrons. Marrons pour organiser cette réception de Noël.
Les enfants, c'est la catastrophe. Si nous voulons absolument sauver ce réveillon, il va falloir que vous m'aidiez. En effet, dans les documents se trouvait la répartition des costumes pour chaque invité. Sans eux, moi, je ne peux rien faire. Peut-être que vous pourriez m'aider à retrouver quel costume va à quel personnage. Pour ça, écoutez bien ce qu'a dit chaque personnage, vous pourriez y trouver des indices. Je compte sur vous. Bonne chance. Vous avez devant vous les costumes des 8 personnages. Regardez de nouveau la scène du grand salon et réécoutez bien les réactions de chaque personnage. Vous y trouverez un indice qui fait écho à un élément de leur costume. Bon courage !